Many environmental groups propose to considerably reduce forestry activities in Quebec with the presumed goal of protecting the woodland caribou. While this solution might seem necessary at first glance, the result would be a draconian reduction of employment and economic activity in the affected regions, with no guarantee that the conservation objectives would be achieved. For this short documentary, we went to Baie-Comeau and met with people involved in the forestry sector to better understand the reality on the ground. Baie-Comeau a été développé par McCormick, qui est venu s'installer ici simplement parce qu'il voyait tout le potentiel du territoire. Puis s'est dit, c'est ici que je fais ma papetière, c'est ici qu'on va pouvoir créer de l'emploi puis qu'on va pouvoir l'avoir à long terme. La ville s'est carrément construite autour de la papetière et de la scierie là, qui venait avec ça. Donc, toute Baie-Comeau a été bâtie là, sur ce développement-là. Il n'y avait même pas de route. La route 138 ne menait pas à Baie-Comeau quand M. McCormick a décidé, c'est là que je m'implante. L'industrie forestière, c'est toute l'histoire de la Côte-Nord, c'est tout le développement économique de la Côte-Nord là, du dernier siècle. Là. Le secteur forestier du Québec représente à peu près 3% du PIB, en gros là, du PIB québécois, qui découle directement de la forêt. Puis d'un point de vue, si on regarde le secteur manufacturier, parce que c'est un secteur manufacturier, on parle à peu près de 10-12% du PIB manufacturier québécois qui découle de la forêt. Le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si ce n'était pas du secteur forestier. Jour du conseil ici, c'est qu'il y a 1700 emplois qui dépendent de ces industries-là. Si ça casse sur la Côte-Nord, c'est 1700 jobs directs dans une région qui n'est pas grande. Il n'y a pas 100 000 personnes ici qui est durement éprouvée au niveau des mines. C'est 300 millions de retombées économiques. C'est énorme. L'adoption d'un plan caribou qui serait très contraignant, ça amènerait d'autres inquiétudes là, au niveau des emplois. Dire que ça couperait tous les emplois, peut-être pas, mais ça restreint encore. Donc, ça vient mettre un élément supplémentaire là, aux inquiétudes qu'on a présentement avec les activités forestières. Peu importe, tu arrives dans un secteur qui a été exploité, tu vas le voir. Ça fait qu'il n'y a pas zéro impact. Par contre, il y a plein de choses qui se font pour tenir compte du caribou, entre autres. Il y a eu si on regarde ici, il y a des aires de protection qui ont été définies. Il y a un plan de protection. Mais en plus, il y a des aires, il y a certaines aires protégées spécifiques pour le caribou. À l'échelle de notre territoire actuellement, je pense qu'on fait un très bon travail à préserver l'habitat du caribou. Moi, j'appelle ça une cohabitation entre l'industrie puis le caribou. Je pense qu'on a atteint cet équilibre-là sur le territoire. Les trois arbres de caribou forestier, c'est le secteur Manoine puis Morgan, qui est à l'ouest ici. Puis on a la harde de la rivière Outarde qui fait tout le long de la rivière Outarde, des grands bassins. Et celle-là, elle est très importante. Et on a la harde de Manicouagan Berté, qui se tient à l'est. Ben ici, on est à environ 25 km de Baie-Comeau. Donc, dans la zone ici, là, on est vraiment trop au sud là, pour... Caribou va se tenir là, sur la côte nord, je te dirais presque 75 à 100 km plus loin que la zone où on est. Là. On est environ à 70 km de Baie-Comeau. C'est pas un habitat qui est très, très, très fréquenté. Il y a peut-être un groupe de 7-8 qui se tiennent un peu plus haut, un peu plus à l'est. Puis, de temps en temps, ils vont venir, ils vont retourner, là. Mais on n'est pas encore proche, là, de vraiment des zones où on peut rencontrer des populations un petit peu plus. Alors, on est présentement rendu à environ à 200 km au nord de Baie-Comeau. On s'en va vers le nord de la rivière Outarde et ici, on est entré dans la limite nordique des forêts non attribuées. Donc, on est dans la partie la plus au sud de la limite nordique. Et dans ce territoire-là, on a dessiné avec les intervenants régionaux un commun d'accord, un territoire à protéger pour le caribou forestier. C'est une forêt qui est, on peut dire, semi-ouverte, donc pas le couvert forestier n'est pas très fermé. Le caractère de forêt semi-ouverte est intéressant aussi pour le caribou. Il trouve sa place, il trouve de l'intérêt. Il est capable de sentir les prédateurs, il est capable de circuler librement. Il y a une ambiance qui est intéressante. C'est des endroits qui font partie de sa sélection d'habitats privilégiés. C'est vraiment une super belle rivière, un environnement là,
qui est unique, que c'est seulement que les perturbations naturelles qui ont forgé au fil du temps là, l'aspect de la forêt. On peut observer des traces de caribous. Le caribou, ce que j'observe, là, c'est qu'il est arrivé vers le flanc de la montagne. Il a suivi, il a longé la route un bout, et puis il est rentré là, dans la partie là, de secteur à lichen terrestre, là, sans doute pour s'alimenter, sans doute pour être à l'abri, être tranquille pour une période de temps. Caribou forestier, si on revient il y a longtemps de tout ça, on en retrouvait pas si loin en arrière de Baie-Comeau, donc son habitat a naturellement migré vers le nord avant même qu'il y ait des activités commerciales là, étendues comme on connaît aujourd'hui. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'activité économique. Souvent, les gens en environnement, les environnementalistes, ils disent non à tout, mais à un moment donné, ça prend une activité économique. On peut pas rien faire puis attendre chez nous que l'argent rentre, ça se peut pas. Il y a des groupes dans ça qui, je pense, sont insatisfaisables. Il y en a qui sont jamais satisfaits. D'ailleurs, tu les entendras jamais dire que c'est assez. Si on réduit de façon importante la possibilité forestière ou les attributions de bois, bien, c'est direct, là. Il y a directement un impact sur le nombre d'emplois, sur le nombre de travailleurs forestiers, sur le nombre d'emplois en usine, à la scierie. C'est sûr, c'est un lien de cause à effet qui est direct. On est rendu à un seuil, là, un seuil critique. On ne peut plus en perdre une. Si la papetière perd une source d'approvisionnement, elle est très à risque. Si les scieries perdent la papetière, ils n'ont plus de marché pour leurs produits. Pour les travailleurs, pour les gens qui vivent ici en région, eux, une fermeture ou seulement la menace d'une fermeture amène la famille à être plus prudent. Quand on regarde le travailleur à l'échelle de la Côte-Nord, lui aussi, c'est une espèce qui est menacée et il est très vulnérable présentement. Ça, c'est une grande préoccupation qu'on a. Présentement, on vit un contexte assez difficile. Moi, en 20 ans de carrière ici, on a connu des hauts puis des bas. Mais je pense que présentement, c'est assez creux. On n'a jamais été aussi creux que ça. Les environnementalistes sont à veille de protéger la tordeuse épineuse. Je pense que le caribou passe avant les employés et les personnes humaines ici. Fait qu'on est pogné dans le milieu de tout ça. J'irai pas changer ma voiture demain matin. Il y a de l'inquiétude parmi les travailleurs ici. On sait pas trop ce qu'on s'en va. Mettons que si j'ai à choisir entre deux bêtes, me semble que ce serait le caribou qui passerait en second lieu. Parce que nous autres, on a des familles, puis je pense qu'on devrait être pris en considération. Parce que s'il arrive quelque chose de grave ici, c'est sûr que la région va en souffrir beaucoup. Il va y avoir des pertes d'emplois épouvantables. C'est pas rien que les travailleurs, là. C'est tout ce qui entoure les travailleurs, là, les magasins, les restaurants, tout, là, qui vont écoper. L'économie va dropper, c'est très normal. Ce qui est sûr, c'est que les communautés vont payer un prix. Ça, c'est certain. Ce qui est moins sûr, est-ce que le caribou, ça va vraiment le sauver? Ça, c'est... Personnellement, j'en suis pas convaincu à 100%, mettons. À un moment donné, est-ce qu'on se bat contre quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir? Si c'est ça, bien, on met des emplois puis on met des régions en péril. Je vous rappelle que le premier ministre nous a répété à maintes fois qu'il n'y aura pas d'emplois perdus à cause des caribous. Alors, on s'en tient à cette affirmation-là. Les activistes environnementaux, ils devraient faire la promotion des produits faits en bois. Parce que s'il y en a une ressource qui est renouvelable, s'il y en a une ressource qu'on peut faire dans les purs principes du développement durable, c'est la foresterie. Il faudrait demander ici aux activistes, bien, si on ne veut plus utiliser des produits en bois, on devrait faire des produits fabriqués en quoi? L'utilisation du bois comme structure aujourd'hui, c'est de plus en plus en vogue. Et puis le bois, bien, c'est beau. Ça a un charme, ça a une chaleur qu'on ne retrouve pas dans les autres matériaux. Et puis, on va en voir de plus en plus. Mais de façon historique, il n'y a pas eu de surexploitation de la forêt, là. Puis prenez la Mauricie, comme j'ai fait mon doctorat là, c'est là où c'est le berceau de l'industrie des pâtes et papiers. Ça fait 100 ans qu'ils s'en récoltent du bois. Puis il y a des aigles, il y a des pourvoiries, il y a de la faune, il y a de la récréation. Et ça fait,
Puis il y a eu des feux là-dedans, il y a eu des épidémies de tordeuses, bref. Et la forêt, elle est toujours là. Et puis on récolte toujours. La forêt appartient aux Québécois. Il faut la développer, il faut créer de la valeur. Il faut créer quelque chose avec. On intervient afin de créer de la richesse pour les citoyens du Québec.